Lorsqu'on te dit 2, on te dit 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sont des nombres premiers. Qu'est-ce qui caractérise ces nombres? Qu'est-ce qui fait leur particularité? Ou alors, qu'est-ce qui leur vaut le nom de nombre premier? Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de nombre premier. Premièrement, nous allons aller dans trentaine. Qu'est-ce qui fait qu'un nombre appartenant à trentaine soit un nombre premier? Quelles sont ses caractéristiques? En deux, nous allons parler des nombres premiers dans le grand Z. Est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques que dans le grand T? Quelles sont leurs particularités ou alors quelles sont les différences avec les nombres appartenant à grand T? Et pour le dernier point, je vais te donner une méthode qui te permettra de déterminer, peu importe le nombre, s'il est premier ou pas. Donc, une astuce qui te permettra de déterminer si peut-être 47 est premier ou alors si 9999 est premier. Alors, commençons avec trentaine. Alors, trentaine, c'est l'ensemble des entiers naturels, à l'exemple des 2, des 4, des 5, des 6, etc. Lorsqu'on te dit que tu as un nombre A appartenant à trentaine, si je dis que mon A est un nombre premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nombre AA, il a 2 diviseurs. Ça, c'est la première des choses. Il a uniquement 2 diviseurs. Pas 1, pas 3, il en a 2. La seconde chose, c'est quoi? C'est que ces 2 diviseurs sont différents. Donc, nos 2 diviseurs sont différents. Et enfin, la troisième chose, c'est que ces 2 diviseurs sont en fait 1 et A. Donc, ces diviseurs sont 1 et A. Prenons par exemple le nombre 2. Lorsqu'on te dit que le nombre 2 est un nombre premier, c'est tout simplement parce que 2 admet 2 diviseurs qui sont 1 et lui-même, donc 1 et 2. Lorsqu'on parle d'une notion des diviseurs, ou bien lorsqu'on te dit que le nombre A, ou bien le nombre A est divisible par le nombre B, ou dit que le nombre B divise A, ou bien B est un diviseur de A, c'est tout simplement dit quoi? C'est tout simplement dit que A est égal à 1B fois 1K avec notre K appartenant à trentaine. Étant donné que nous sommes dans l'ensemble des entiers naturels. Donc, si je te dis que A égale à B fois K, tu peux interpréter ceci comme quoi? Tu peux dire que B est un diviseur de A. Tu peux dire que B divise A. Tu peux également dire que A est divisible par B. Alors prenons 2. Lorsque je dis que 2 est un nombre premier, tout simplement pourquoi? Parce que 2, je peux écrire 2 comme quoi? Je peux écrire 2 comme 1 fois 2. Donc, le premier diviseur, on a 1. On peut écrire 2 comme 1 fois 2. Donc, 1 diviseur de 2, il y a 1. On peut également écrire 2 comme 2 fois 1. C'est la raison pour laquelle on dit que notre nombre 2 est un nombre premier. Maintenant, prenons le cas particulier de 1. Lorsqu'on dit 1 souvent, c'est une tendance à croire que c'est un nombre premier. Mais ce n'est pas un nombre premier tout simplement parce qu'il est divisible par 1, oui, il est divisible par lui-même. Or, lui-même, c'est déjà 1. Or, un nombre premier doit avoir 2 diviseurs différents. Donc, 1 n'est que divisible par lui-même. 1, c'est encore 1 fois 1. Ça, nous sommes encore dans trentaine. 1 est divisible que par lui-même. Donc, il n'a pas 2 diviseurs différents. Donc, c'est pour ça que 1 n'est pas un nombre premier. Donc, par exemple, si on prend 3, 3 est divisible par quoi? 3, je peux les diviser par 1. Je peux écrire 3 comme un 1 fois 3. Je peux encore écrire 3 comme un 3 fois 1. Donc, 3 admet 2 diviseurs. Il n'y a pas une autre relation dans le grand N qui donne l'expression de 3 à part ces deux relations. Donc, c'est pour cette raison qu'on appelle 3, 2, des nombres premiers. Maintenant, prenons 4. 4 n'est pas un nombre premier tout simplement parce que 4, on peut écrire 4 comme 1 2 fois 2. On peut encore écrire 4 comme 1 1 fois 4. On peut encore écrire 4 comme 1 4 fois 1. Donc, tu vois en fait quoi? 4, il a 1 diviseur, il en a 2, il en a 3. Donc, la première règle n'est plus respectée.
En conclusion, pour qu'un nombre soit premier dans un grand N, il faut tout simplement qu'il ait deux diviseurs, uniquement deux diviseurs. En seconde, il faut que ces deux diviseurs soient différents. Et en troisième, il faut que nos diviseurs soient 1 et ce nombre lui-même, pas un autre nombre. Nous avons 4, 2 n'est pas égal à 4. Il y a 7, 1, il y a 7, 4, mais il a plus de 2 diviseurs, donc ce n'est plus un nombre premier. Par contre, 3 et 2 sont des nombres premiers. Maintenant, passons dans le grand Z. Si je te dis par exemple, ça appartient à grand Z. La transition maintenant, lorsqu'on est dans les entiers relatifs, dans les nombres, les entiers naturels et leurs opposés, et les moins 2, moins 1, ainsi de suite, leurs opposés. Maintenant, si je prends C appartenant à la grande Z, je veux savoir quelles sont les caractéristiques de C si c'est un nombre premier. Premièrement, il faut voir que C est 4 diviseurs. Donc, tandis que notre A a 2 diviseurs dans la grande Z, dans l'ensemble des relatifs, notre nombre premier doit avoir 4 diviseurs. Et bien sûr, nos 4 diviseurs doivent être différents. 4 diviseurs différents les uns des autres. 4 diviseurs différents. Et en dernier, les 4 diviseurs doivent être, on a moins 1, on a 1, on a C et on a moins C. Donc, tu remarques qu'on a 1 et son opposé, on a C et son opposé. Ça veut dire que par exemple, si je prends le nombre moins 2, c'est un entier relatif. Est-ce que c'est un nombre premier? Je peux écrire moins 2 comme quoi? Je peux écrire moins 2 comme moins 1 fois 2. Je peux encore écrire moins 2 comme 1 fois moins 2. Je peux encore écrire moins 2 comme 2 fois moins 1. Et on peut encore écrire moins 2 comme moins 2 fois 1. Dans les diviseurs de moins 2, on a moins 1, on a 1, on a 2 et on a moins 2. Donc ça c'est dans grand Z. Donc dans grand Z, on va parler des diviseurs. Si je dis par exemple que D est un diviseur de C ou alors que D divise C, ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que C est en fait égal à D fois un capri. Donc le capri de C appartient à grand Z. Donc tu peux remarquer ici c'est grand Z. Ici c'est grand Z et ainsi de suite. Donc tandis que dans l'ensemble trentaine, un nombre premier a deux diviseurs distincts qui sont lui-même et 1. Dans l'ensemble grand Z, un nombre premier a quatre diviseurs distincts qui sont 1 moins 1, lui-même et son opposé. Tout simplement. Donc 2 moins 2 est un nombre premier, moins 2 également est un nombre premier. Maintenant, terminons avec une méthode qui va te permettre de déterminer si un nombre est premier, peu importe le nombre qu'on va te donner. Si tu veux savoir qu'il est premier, la première chose, on va prendre un exemple. Exemple, je veux vérifier si le nombre 103 est un nombre premier. La première chose que tu fais, c'est quoi? Tu calcules d'abord racine de 103. Donc, lorsque tu fais racine de 103, ça te donne à peu près 10,14. Donc, premièrement, tu calcules racine de 103. Après avoir calculé racine de 103, ce que tu fais en fait, c'est quoi? Tu prends tous les nombres premiers qui sont inférieurs à racine de 103. Donc, comme c'est 10,14, je sais que tous les nombres premiers, nous sommes dans un grand ténèbre, dans les entiers naturels. Tout nombre entier naturel inférieur à 10,4 et premier, on a d'abord 2, ensuite on a 3, ensuite on a 5 et enfin on a 7. Lorsque tu prends ceci, ce que tu fais ensuite, c'est quoi? Tu vérifies, tu t'assures en fait que chacun de ces nombres ne soit pas un diviseur de 103. Si parmi la liste que tu trouves, donc si parmi l'ensemble des nombres premiers que tu vas trouver inférieur à racine de 103, il y a juste un qui divise 103, ça veut dire que tout simplement ce n'est pas un nombre premier. Mais si tu essaies d'étudier 103 par chacun de ces nombres premiers, et qu'il n'y a en fait aucun qui les divise, ça veut dire que 103 est un nombre premier. Alors on va commencer. 103 premièrement n'est pas divisible par 2, tout simplement parce que ce n'est pas un nombre pair. Donc dans la description, tu as une vidéo qui te parle des critères de divisibilité. Donc lorsque je prends 103 divisé par 2, ce n'est pas possible parce que 103 ne se termine pas par un chiffre pair. Ensuite, on passe à 3. Est-ce que 103 est divisible par 3? Je sais que pour
qu'un nombre soit divisé par 3, il faut prouver que la somme de ces chiffres soit multiple de 3. Lorsqu'on obtient 3, c'est dit en fait quoi? 1 plus 0 plus 3. Ça nous donne 4 qui n'est pas multiplié. Donc notre 3 ne divise pas 103. Ensuite, on continue avec notre 5. Un nombre est divisible par 5 lorsqu'il se termine soit par 0, soit par 5. Notre 103 se termine par 3 et non par 0 ou 5. Donc, il n'est pas divisible par 5. Et ensuite, on passe au dernier. Celui-ci, on va faire 103 divisé par 7. Ça nous donne 14,71. Donc, ça nous donne en fait un chiffre avec la virgule. Ça veut dire également que 7 ne divise pas 103. En conclusion, 103 est un nombre premier. Alors, pour montrer qu'un nombre premier, c'est quoi? Premièrement, tu trouves la racine carrée de ce nombre. En deuxième, tu trouves en fait tous les nombres premiers inférieurs à cette racine. Et en troisième, tu vérifies en fait que chacun des nombres que tu as trouvé ne soit pas un diviseur de ce nombre premier. Et là, tu peux conclure que ton nombre est premier. En somme, les trois fois à retenir aujourd'hui, c'est quoi? Un nombre premier, dans grand N, lorsqu'il a deux diviseurs différents et qui sont un et lui-même. Dans grand Z, il faut qu'il ait quatre diviseurs différents qui sont moins un, lui-même et son opposé. Et enfin, si on te donne n'importe quel nombre pour montrer qu'il est premier, tout ce que tu as fait, c'est d'abord calculer sa racine carrée, trouver les nombres premiers inférieurs à cette racine et en dernier lieu, t'assurer que chacun de ces nombres ne soit pas un diviseur de ton nombre. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu aimais, mets un pouce en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et surtout, active la cloche de notification pour être au courant de chacune de nos vidéos que nous publions chaque mercredi et chaque samedi. Dans la description, tu as une vidéo portant sur les critères de divisibilité par 2, par 3, par 5, par 9 et par 11. Donc, si ça t'intéresse de savoir pourquoi est-ce que le nombre 1 789 590 est divisible par 11, clique juste sur la vidéo et tu sauras pourquoi. À mercredi.